Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Et voilà, c'est la tombe de Mama, dit Poupette, ou Poupette dit Mama. En fait, vous faites un peu comme vous voulez, hein, peu importe. Je viens d'enterrer mon chat, notre petite chatte qu'on a beaucoup appréciée, qui a vécu pendant 18 années. Et je viens de creuser le trou, je l'ai enterré. Et voilà, la petite sépulture, c'est ce... cette branche que j'ai plantée à la tête de son sépulcre, tout simple. Hein. J'avais pensé même à planter un arbre, mais bon, je sais pas, parce qu'après on risque de basculer dans le culte aux morts, au travers d'un arbre et tout ça. Vaut mieux se préserver, peut-être bien. Donc je suis vraiment content d'avoir pu régler ça, parce que c'est quelque chose d'important. Hop. Moi, j'ai bien sué. Hein. Oula. Ouf, ouh, la casquette, elle est froide. Je pense que c'est important de faire ça, même pour les animaux. Si toutefois on pense qu'ils ressusciteront, normalement, ils ne ressuscitent pas, de ce que j'ai compris. Mais... dans l'hypothèse où on se tromperait, parce que des fois on comprend pas bien la parole, bon là le Zohar dit que l'âme de l'animal s'éteint hein, après sa mort, le Talmud aussi, par contre la Bible ne dit rien de spécial, donc il y a des choses, on peut en déduire qu'ils vivront après ou pas, ça dépend comment on interprète. Donc, dans le doute, je préfère enterrer les animaux plutôt que de les incinérer. Comme ça, ça permet de faire un acte prophétique qui annonce la résurrection. Hein, Paul, qu'est-ce que t'en penses? T'en penses quoi, toi? Voilà ce qu'il en pense. Et Paul, c'est pareil. Je l'enterrerai aussi. Et...
Je pense que c'est une bonne chose de faire ça maintenant. Ça se discute, hein. Ça, je sais bien. Ça se discute. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai fait ce que je pense être juste. Et s'il y a une résurrection des animaux, eh ben, il faut faire cet acte prophétique. Et c'est pareil pour les adultes, hein. Enfin les humains, il faut aussi les enterrer, les mettre dans un sépulcre, plutôt que de les incinérer, les brûler. Parce que si on les brûle, ça veut dire qu'on annonce leur disparition totale et leur non-résurrection. Donc je sais que beaucoup ont incinéré leurs proches défunts, mais tant que c'est dans l'ignorance, je pense que Dieu peut faire grâce. Mais si on veut vraiment avancer dans la vérité, il faut savoir que tout ce qu'on fait ici-bas, c'est le reflet des choses d'en haut. Donc si on brûle un corps, ça veut dire que ce corps est appelé à ne pas renaître, à ne pas ressusciter. Donc c'est important d'enterrer nos morts, comme le fait le judaïsme, hein. C'est quelque chose de vraiment très 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 respectueux, et ça annonce la résurrection des morts. Et d'ailleurs, même dans la position du mort dans le judaïsme, c'est la tête inclinée vers le haut. Au lieu d'être enterré comme ça, posé dans le sépulcre comme ça ou sous terre, eh ben, il l'incline comme ça pour annoncer la résurrection des morts. Et je trouve ça super et c'est tellement logique. Donc faisons pareil. Bon là peut-être que j'ai pas incliné ma main comme il fallait, mais c'est pas très grave, on n'est pas vraiment dans ces détails là parce que de toute façon moi j'ai pas encore très très bien tout compris, mais ça c'est sûr, en tout cas ce qu'on fait ici bas a une conséquence dans le Olam Haba, dans le monde, dans l'au-delà, et c'est vraiment une chose qu'il ne faut pas négliger. Alors tous ceux qui ont été incinérés, bon, bah, il faut se repentir, demander pardon à Dieu pour avoir fait ça. Et selon la richesse de sa grâce, voilà, il n'y a pas à s'inquiéter. Hein. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Hein. Mais quand on sait, moi en tout cas là, j'ai compris fraîchement qu'il faut enterrer les morts. Donc, plutôt que les brûler. Donc maintenant, il faut faire ça. Et c'est le partage que je tiens à communiquer. Et j'ai vraiment pris conscience de ça avec mon chat. Donc c'est qu'un animal, hein, qu'il ressuscite ou pas, moi de toute façon que la volonté de Dieu se fasse, donc peu importe. Mais en tout cas je fais ma part, comme je l'estime être bon. Et je crois que c'est ça qui est le plus important devant Dieu, c'est qu'on essaye de faire au mieux selon ce qu'on comprend. Et j'ai bien compris que enterrer les morts annonce aussi le fait de qu'ils soient juste dans un repos avant la résurrection. Mais si on les brûle, eh ben, on montre que par là que jamais ils vont ressusciter. Et il se trouve que c'est aussi pour cette raison que Hitler a voulu gazer puis brûler les Juifs. C'est un signe très fort d'extermination totale et de non-résurrection du peuple juif. Donc quand on comprend ces choses, il faut éviter de faire comme Hitler a fait, même si c'est innocemment qu'on le fait, mais arrêtons de brûler les morts, quoi. Arrêtons parce qu'on fait un signe prophétique très fort, quoi. Donc repentons-nous si on l'a fait, mais à l'avenir enterrons nos morts parce qu'il y aura la résurrection des morts. Voilà. Mais bon, ça c'est sûr que pour les croyants ça parle un peu plus, hein. Maintenant les non-croyants, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi, hein. Voilà. Donc c'est un partage sur ça, hein. C'est un partage un peu glauque, hein, mais il faut en parler aussi, il faut en parler. Donc voilà, et pour la sépulture, c'est juste ça, hein. À peine voyant, il n'y a que moi qui reconnaîtra. Je pense que c'est plus sain. Voilà. Allez. Dodo, do, maman. Maman. Oh, bah ça commence bien, tiens. Tu veux sortir? Oui. Voilà, tu peux sortir. Je serai à toi, tu seras.
seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Je serai à toi, tu seras